pour commencer, appuyez sur le bouton Power pour démarrer la console. Puis, vous pourrez remarquer que les deux premières pistes de la console seront assignées au micro sans fil. Pour allumer un micro, appuyez sur le bouton Power du micro, tenir environ 3 secondes. Sur la console, vous pourrez remarquer un bouton nommé Mute. Si celui-ci est allumé, veuillez appuyer dessus pour l'éteindre. Ensuite, levez le fader du micro à environ moins 10 dB. Puis, levez le fader master à environ moins 20 dB. Pour faire marcher le son de l'ordinateur, allez sur la page des auxiliaires sur la console et levez le son de l'auxiliaire 1. Pour faire marcher le projecteur, prendre la manette se situant à côté de celui-ci et appuyez sur On. Derrière vous se situe la boîte de contrôle pour la toile de projection. Il suffit de prendre la petite clé et de la rentrer dans le trou. Pour descendre l'écran, baissez la tige vers le bas. Pour monter l'écran, poussez la tige vers le haut. Pour toute autre information, veuillez communiquer avec le technicien de l'auditorium.